Bonjour mes chers élèves, dans ce vidéo je vais expliquer le cours du triangle, rectangle et cercle circonscrit. Alors la première propriété dit, donc c'est un triangle et rectangle, alors le centre de son cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. Donc l'exemple, voilà, on va prendre ABC un triangle rectangle en B. Donc voilà, c'est bien que le milieu de son hypoténuse qui est AC est le centre du cercle inscrit au triangle ABC. Donc on va expliquer ça sur le programme GeoGebra. Donc je vais construire d'abord un triangle rectangle. Voilà, je vais choisir A. Voilà B. Et voilà. Donc nous avons ABC, comme vous voyez, un triangle rectangle en B. Je vais choisir, ou bien je vais construire le milieu de AC qui est l'hypoténuse dans ce triangle. Donc je vais nommer D avec O, que ce sera après le centre du cercle circonscrit au triangle. Alors, je vais essayer de construire maintenant le cercle de centre O et de rayon OB. Et voilà, comme vous voyez, donc nous avons bien le cercle de centre O qui est le milieu de l'hypoténuse AC. Voilà, donc circonscrit au triangle ABC. Donc, je vais construire même chose le segment O. B. Et voilà, donc nous allons voir d'abord la conséquence. Alors voilà. Alors, c'est un triangle et rectangle. Alors, la longueur de la médiane mesure de l'angle droite est, pardon, est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Donc voilà, donc OB c'est bien AC sur 2, ou bien on peut dire aussi OA égale à OC qui est égal à aussi OB. Donc on va voir ça sur la figure, bien sûr. Donc je vais, voilà, voilà, je vais mesurer la distance. Pardon, pardon, voilà la distance OA. Voilà, donc comme vous voyez, c'est 5,15. Même chose OB. Même, voilà, et voilà aussi. Aussi, passons à la deuxième propriété. Donc, la deuxième propriété, donc c'est un triangle est inscrit dans un cercle dont le diamètre est le. Est un côté du triangle, alors ce triangle est bien rectangle. Et son hypoténuse est un diamètre du cercle. On va voir, même chose, un exemple. Et on va essayer de construire la figure. Voilà. Sur le GeoGebra toujours. Alors maintenant, je vais construire un cercle. Voilà, c'est bon. Alors, je vais construire diamètre. Voilà. Voilà, c'est un diamètre. Je vais changer, renommer le point A avec O. D'accord. Voilà. Alors, on va construire maintenant le triangle. Et voilà. Donc, c'est un triangle rectangle en B. Donc, voilà.
Et voilà, donc c'est un triangle rectangle comme vous voyez. Donc CD ici représente le diamètre du cercle et aussi représente l'hypoténuse du triangle rectangle en B. Donc je peux prendre n'importe quel point qui appartient au cercle, donc toujours j'obtiens un triangle rectangle. Alors, comme conséquence, nous avons voilà, donc dans un triangle, c'est la longueur de la médiane issue d'un sommet est égale à la moitié de la longueur du côté opposé à ce sommet, alors ce triangle est rectangle. Donc, on va mesurer les distances OB. Donc, bien, donc, elles sont égaux. Donc, voilà. Alors, je vais réduire, voilà, comme vous voyez. Donc, j'espère que vous allez bien.